Arrêtez aussi avec je sais pas, ce fantasme du million par rapport au lifestyle que vous allez pouvoir avoir parce que vous allez faire le million. Okay? Le million, c'est cool pour pouvoir te dépasser, apporter plus de valeur au monde. Voilà, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas pour ton lifestyle. Tu auras déjà un bon lifestyle avant ça. Et même si tu dis, ouais, 10K, ce n'est pas suffisant, même 20K, ben 20K, ça fait 200K l'année. Tu as à peine à 20% du million. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner les gars. Abonnez-vous là là les gars. Vous faites comment sinon? Donc abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de Chelsea, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, être une meilleure version de toi-même. Tu connais tout le délire comme ça. Pour ça il faut de l'argent. Ok, on va pas. J'ai oublié l'expression, mais on va pas. Tu vois ce que je veux dire. Donc à un moment donné, il faut de l'argent. Donc, tu as l'étude de cas. C'est déjà bien. Parce qu'imagine, tu es nouveau, tu viens d'arriver. Tu dis, bah alors, comment on fait pour l'argent? Ouais, moi, je veux de l'argent. Calme-toi, Gérard. Alors, l'idée, c'est comment? Ben, déjà, prendre une petite formation gratuite, une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine. Comme ça, tu vois un petit peu le délire, le produit, qu'est-ce que j'ai vendu, le marketing que j'ai utilisé, les stratégies, les prix que j'ai utilisés. Voilà, comme ça, tu vois tout et tu te mets dedans. Voilà. Et même si tu as déjà de l'expérience ou tu as déjà consommé énormément de vidéos, si tu n'as pas fait 20K une semaine, à un moment donné, les gars, je comprends pas. Tu as de l'information gratuite. Je comprends pas pourquoi tu ne veux pas l'apprendre. Donc, évidemment, bien sûr, tu vas devoir mettre ton mail. Voilà, c'est les stratégies aussi que je fais. C'est-à-dire que je te montre, comme ça tu vois qu'on est du sérieux, que c'est possible, etc. Voilà, comme ça, si jamais après tu veux aller plus loin, bah, tu peux aller plus loin. Après, rien ne t'oblige à aller plus loin. Voilà, tu peux gratter, hop, juste, tu prends. Voilà, comme ça, je t'ai montré tous les trucs parce que je suis transparent. Les gens pensent que c'est gratuit, genre c'est un truc éclaté. Non, 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 je te montre vraiment tout. Et après, tu feras ce que tu veux. Je veux dire, après, si tu auras consommé, et après, tu peux te barrer et faire ce que tu veux, tu vois. Donc voilà, bref, donc tu es libre de pouvoir accéder à cette étude de cas. Et pas d'excuses, les gars, j'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi le gars créatif des pyramides, les gars, on a tous galéré, les gars, arrêtez. Si t'as pas galéré, tant mieux, ça change rien. La seule chose qu'il faut pour pouvoir réussir, c'est des couronnes. Ce qui manque à beaucoup d'hommes en ce moment. Donc voilà, passons directement au sujet de la vidéo. L'erreur que tout le monde fait pour pouvoir atteindre la liberté financière, voilà, c'est le sujet de la vidéo. Il faut qu'on en parle parce que j'ai envie de te dire, tout le monde a envie d'être libre. Et ça, c'est la base. On est tous d'accord avec ça, les gars. Il faut qu'on soit libre. Vu surtout comment, t'as vu un petit peu l'ambiance qu'il y a en ce moment, tu te dis, vaut mieux que tu gères tes trucs toi-même. Hein, les histoires de retraite, les trucs comme ça. Et puis si c'est un moyen d'être quand même à la retraite avant d'avoir, je sais pas... Je sais même pas c'est à quel âge la retraite. Comme quoi, tu as vu comment ça m'intéresse. Non, je compte plutôt sur moi. Je préfère compter sur moi pour pouvoir faire mes bails. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et l'erreur que j'ai constatée, que même moi j'ai fait, genre, même moi, Elon Musk. Non. Non, mais pour te dire qu'on évolue, tu vois, t'es obligé d'évoluer. Et ce que je t'ai dit au début de vidéo, c'est la vérité. J'ai grandi à Évry, j'ai redoublé mon BEP. Ok? J'ai grandi en banlieue. Je suis un gars normal, moyen. Enfin, voilà. Ok? J'y connaissais rien du tout. Pour pouvoir faire de l'argent, j'y connaissais rien du tout. J'avais jamais fait une seule vidéo de ma vie. Je savais même pas qu'on pouvait faire de l'argent sur Internet. J'étais même pas au courant que je pouvais devenir entrepreneur. Voilà. Même jusqu'à maintenant, quand je dis je suis entrepreneur. Ah ouais? On parle de qui là? On parle de moi? J'étais pas au courant, j'étais salarié. J'ai découvert qu'il y avait un monde genre, putain, il y a moyen de voyager et avoir un business en ligne. J'ai découvert ça, tonton, j'avais 35 ans. Découvert 35 ans, pour te dire. Donc, non, les gars, je suis comme vous, ok? Donc, la liberté financière, en fait, ce qui se passe, c'est voilà ce qui se passe. Les gens, ils font, ok, moi, je vais être indépendant financièrement, on va dire, vas-y, 10K. Je vais être indépendant financièrement à 10K. Comme un bon élève, on t'a déjà dit, première chose, il faut faire tes objectifs. Objectif, genre, je vais être indépendant financièrement à 10K. Donc, boum, t'écris, voilà, comme un bon élève, t'as dû lire sûrement comment ça s'appelle encore, le truc de Tim Ferriss, là, la semaine de 4 heures, voilà. Tu suis le truc, hop, 10K, boum. Ok, 10K, combien d'argent je dois investir pour pouvoir atteindre les 10K? Donc tu dis, ok, on prend un chiffron, on va dire 1 million à 10%, ça fait à peu près 10K. Ok, je sais que ce n'est pas exactement la même chose, ok, mais voilà, on y est pas loin, ok? Mais vas-y, on va faire les choses bien, je vais faire le calcul. Bon, du coup, j'ai fait le calcul, ok? On va dire plutôt que l'objectif, parce que pour prendre des chiffrons, on va dire l'objectif, c'est que tu veux faire 8000 euros en étant indépendant financièrement, ok? De revenus passifs. 8000 euros en revenus passifs. Ok? Donc voilà. Donc ça fait du coup, tu calcules, boum,
1 million, ça tombe bien, 1 million genre avec une rentabilité de 10%. Ok, je sais que 10% c'est possible, comme il y en a qui vont dire voilà, ben c'est plus sûr de partir sur du 7, 8%, 6%. Ok, mais on va dire 10%. Ok, 1 million à 10%, ok, ça te fait 8 300 euros. Ok, ça te fait, en gros, ça te fait 100, ça fait 100K à l'année. Ok, 100K à l'année, si jamais tu divises en 12, ça te fait 8 300. Donc, du coup, tu es là, tu es bien. Tu dis ok, maintenant, comment je fais pour faire le million? Voilà l'erreur que tout le monde fait. Okay? Parce que tu dis ok, comment je fais pour faire le million? Donc du coup, tu es obsédé pour pouvoir faire un million. Okay? Donc c'est bien d'avoir des objectifs et de vous faire un million. Ok, il n'y a pas de souci. Donc déjà, première erreur que je vois souvent, c'est que les gars ils disent un million, ils disent oh, ils vont faire ça en un an. Ouais, déjà, comme je le dis dans plusieurs vidéos, les gars qui l'ont fait, c'est des épiphénomènes. Okay? C'est 0,00000, rajoute le nombre de zéros que tu veux derrière. Okay, c'est où les gars avaient déjà des business avant, où ils avaient déjà de l'expérience en vente, je sais pas, en marketing, où ils avaient déjà créé des petits business avant. Enfin, ils ont déjà une expérience avant, où ils avaient déjà consommé énormément de formations avant, depuis tout petit. Ils ont saigné des livres de business, ils ont toujours été passionnés par ça. Enfin, voilà. C'est pas des gens comme, normaux, qui étaient salariés, qui ont toujours connu que le salariat, tu vois, ils ont toujours, voilà. Et un jour, ils ont découvert que c'était possible sur une vidéo. Ah, tu sais, on peut créer un business en ligne et tout, machin. Un truc de ouf. Voilà. Et après, genre, ils achètent une formation et boum, ils font un million. Non, tu vas faire de l'argent. Encore heureux, tu vois. Si jamais tu es déter. Mais un million. Après, si on part sur 5 ans, c'est autre chose. Et c'est ce que je t'encourage à faire. Ok, il faut toujours partir sur 5 ans. Tes objectifs à 5 ans. De 0 à 5 ans, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux atteindre le million. Ok, comme tu peux aussi ne pas l'atteindre. Mais en tout cas, il y a de grandes chances que. Déjà, ce qui est sûr, c'est que tu seras financièrement bien. Et les problèmes de. Tu seras. Les trucs de tu fais 20K à l'année, là, c'est fini, ça. C'est fin... Non. Ce sera largement bien, ok? Et si tu veux absolument faire le million, c'est pas grave si jamais tu le fais dans 6 ans, 7 ans. L'essentiel, c'est d'arriver, les gars. Arrêtez de croire que le temps, comme si, c'est trop long, bah, du coup, j'essaie même pas. Okay, 5 ans, c'est rien dans la vie. Et j'ai même envie de te dire, même si ça prend 10 ans, même si ça prend 10 ans pour atteindre ton million, bien, ça me paraît quand même beaucoup. Mais imaginons, on sait jamais, je sais pas comment tu t'organises, mais normalement, franchement, ça me paraît long quand même, 10 ans. Mais bon, imaginons dans le pire des cas, ok? Tu prends 10 ans. Les gars, tu seras pas content quand tu vas arriver et être un millionnaire? Même si ça prend 10 ans. Quand tu le seras, tu seras content, non? Au lieu de te dire, ah bah vas-y, j'essaie même pas parce que imaginons, ça prend 10 ans, j'ai la flemme. Donc du coup, autant que je reste dans ma vie éclatée, genre je travaille pour un patron, je dois voir avec Gérard si jamais je prends Noël et l'année prochaine, je prends pas Noël et je prends le jour de l'an, je travaille, rien. Je pars en vacances une fois par semaine, une fois dans l'année. Non, tu vois. Le jour où ça t'arrivera, tu seras content. Et de toute façon, ce sera la retraite avant même tes collègues, ok? Et tu seras millionnaire, ça veut dire, déjà tu seras la retraite avant même, parce que tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour être à la retraite. Ça, c'est les gens qui ils s'imaginent, ouais, il faut être millionnaire, tout ça, machin. Gars, à partir du moment où tu fais 10K par mois, t'es large, t'es plus que large, t'as la vie de millionnaire que tu imagines. À partir de 10K, t'es, hey, les gars, en plus, si jamais tu changes, genre, tu vas dans des pays genre où la monnaie est plus faible que les 10K que tu fais, mais gars, mais alors là, c'est encore pire, là. Déjà, même avec 10K, t'es bien, même que ce soit à Miami, même que ce soit dans les grosses villes, même à Paris, enfin, je veux dire, tu seras bien, ok? Tu seras à l'aise. Donc, alors, si tu commences à partir sur Amérique du Sud, Thaïlande, les trucs comme ça, c'est la folie, ok? Donc, arrêtez aussi avec ce fantasme du million par rapport au lifestyle que vous allez pouvoir avoir parce que vous allez faire le million, ok? Le million, c'est cool pour pouvoir te dépasser, apporter plus de valeur au monde. Voilà, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas pour ton lifestyle. Donc, tu auras déjà un bon lifestyle avant ça. Et même si tu dis ouais, 10K, ce n'est pas suffisant, même 20K, bah 20K, ça fait 200K à l'année. Tu as à peine à 20% du million. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Donc du coup, pouvoir revenir à l'erreur que les gens font, c'est que du coup, ils disent « Ok, il faut que je fasse un million. » Ok, donc ils sont focus, il faut que je fasse un million. Donc dans leur tête, il faut qu'ils génèrent un million, qu'ils aient un million sur leur compte. Et après, quand ils ont les un million, boum, ils les investissent. Ok, eh ben non. Ok, ça c'est une grosse erreur. Parce que déjà, premièrement, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas réussir à avoir le million comme ça, cash comme ça. Ok, et donc du coup, ou parce que ça prend du temps, comme je t'ai dit, ça peut-être prendre 5 ans, c'est peut-être… Ça, c'est pas moi, tu vois, peut-être 3, 2, 4, 5, 7, 8, je sais pas, tu vois.
Et donc, ce qui va se passer, c'est que les gens, bah, du coup, ils abandonnent. Ils disent, mais l'objectif, il est trop gros, en fait. Enfin, laisse tomber, tu vois. C'est comme si tu pars de zéro. Tu pars de zéro, tu dis, putain, vas-y, faut que je fasse un million. Mais tu fais, laisse tomber, c'est trop gros, en fait. Ok? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de découper le truc en petits sous-objectifs, en fait. Tu vois? Découpe en petits sous-objectifs. Et comment ça se passe? C'est que, en fait, au lieu de penser en mode, ouais, faut que je réunisse un million pour pouvoir être libre financièrement à 8000 euros de revenus passifs. Au lieu de penser comme ça, genre, ah, vas-y, faut que j'ai un million pour pouvoir, boum, investir quelque part, tu vois. Donc après, ça peut être dans l'immobilier, bourse, etc. Et ben, l'idée, c'est que là, ben non, tu te dis, vas-y, je commence avec 100 euros, tu vois. J'essaie de partir sur, vas-y, être indépendant financièrement, enfin, avoir des revenus passifs de 200 euros déjà, de 200 euros. Donc du coup, chaque mois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas investir l'argent que tu as, l'argent que tu peux investir. Comme ça se fait au fur et à mesure. Et c'est ce que les gars, ils font, en fait. C'est l'idée, c'est comme ça qu'il a fait Warren Buffett. Il a eu un capital de départ parce qu'il y a des gens qui lui ont fait confiance, qu'il était bon, ok. Mais après, c'est l'effet boule de neige, c'est le titre de son autobiographie. C'est au fur et à mesure, investir, boum, 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 tu vois. Et partir en mode long terme. Alors, c'est sûr que c'est pas sexy, les gars. C'est sûr, hein, quand tu vas voir, tu touches 2 euros ou 5 euros de revenus passifs, tu trouves que c'est éclaté, tu vois. Mais ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, chaque mois, tu vas investir, les années vont passer et tu vas t'apercevoir, ben, ça y est, tu commences à avoir des revenus passifs de 200 euros, 300 euros, 500 euros, 600 euros, 700 euros, 1000 euros, 2000 euros et ça continue à travailler pour toi. Voilà, 3000 euros, 4000 euros et puis ça augmente, tu vois. Donc, en fait, c'est le même principe, que c'est pour ça que ça, c'est un livre qu'il faut que tu lises absolument pour changer ça shift dans ta tête. Quand je l'ai lu, ça m'a grave aidé. Ça a fait un shift, en fait, dans ma tête, tu vois. C'est l'effet cumulé de Darren Hardy, ok. C'est le même principe, en fait. En fait, il n'y a rien qui arrive d'un coup. Et c'est pour ça qu'on refait, mais le monde fonctionne comme ça. Tout vite, gratification immédiate, tout rapidement. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu fonctionnes comme ça, tu vas te faire carotte, mais pour tout, dans tous les domaines de ta vie, en fait, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est tenté de penser, ah, vas-y, ok, je veux 8000 euros de revenus passifs. Au fait, il faut que j'ai un million, boum, sur mon compte, et boum, après, je mets... Non. Tu investis petit à petit, tac, boum, 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 et ça avance. Moi, je me rappelle pour te dire, j'ai fait cette erreur-là, j'avais des investissements immobiliers, peut-être ça m'a apporté de 100, 200 euros, un truc comme ça de cash flow. Mon cerveau, il comptait même pas. Parce que l'objectif final que j'ai, c'est d'être indépendant financièrement à 25 ans par mois. Voilà, c'est un objectif, c'est long terme. Moi, je me donne 10 ans, y a pas de problème, tu vois. Ok, parce qu'il faut quand même beaucoup d'argent quand même. Pour 10 ans, j'espère quand même que ça arrivera avant, mais voilà, je me laisse tranquille, tu vois, parce que ça sert à rien de dire ouais, je vais faire ça en un an, c'est pas vrai, tu vois. Après, tout est possible, mais gardons la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre, ok. Ben, genre, à aucun moment je me disais pour mes investissements en immobilier, là, moi je me disais, ah, ben c'est bien, celui-là il me rapporte 200 euros par mois, et ben du coup, c'est un revenu passif de 200 euros, genre je le soustrais, genre voilà, parce que quand même, la première étape c'est d'atteindre les 10K quand même de revenu passif. Jamais je me suis dit, ah, ben du coup, maintenant il me reste plus que 9800 euros. À générer un revenu passif. Je me suis jamais dit ça. Mon cerveau, il s'est rentré là. Pour moi, c'était, j'ai dit, c'est quoi, 100, 200 euros? Vas-y, ça sert à rien, ça. Je comptais même pas dans ma tête. Ok, donc ne fais pas cette erreur-là. En fait, pense à investir petit à petit. Alors, c'est vrai qu'après, en immobilier, c'est compliqué, genre, d'investir 100, 200 euros. Alors, quoique, il y a des SCPI. Bon, ça, je connais pas trop, donc je veux pas trop t'en parler, mais tu peux t'y intéresser. Et ce que je connais un peu plus, c'est grâce à la blockchain. Tu vois, grâce à la blockchain, maintenant, tu peux investir en immobilier à partir de 50 dollars. Tu vois, donc tu as vraiment genre une partie d'un bien qui existe réellement. Tu vois, d'un bien, c'est une partie. Au lieu d'acheter le bien entier, bah, tu peux acheter une partie d'un bien à partir de 50, une partielle en fait, à partir de 50 dollars en général. Tu vois, donc déjà, voilà, via la blockchain, boum, tu payes en crypto, boum, voilà, tu as une partie. Tu touches tes dividendes, c'est à peu près 8%, 8, 10, 11%, ça dépend des biens. Et voilà, tu touches tes dividendes et voilà. Et en plus, c'est chaque semaine, je crois que tu les touches, ou tous les mois. Bon, ça, je ne me rappelle plus. Mais voilà, tu vois, et commencer tranquillement. Comme ça, tu peux commencer à 50 dollars. Commencer à investir 50 dollars. Alors oui, tu vas toucher des centimes au début. 8% de 50 dollars, c'est pas grand-chose. Mais voilà, c'est les débuts. Tu te dis, voilà, c'est les débuts, les gars. C'est les débuts. On y est, les gars. On commence. Tu vois, il faut bien commencer, en fait. Tu peux pas commencer et boum, faire 10K. Donc tu commences, boum, des centimes, 2, 3 euros, 5, 20, 30, 100, 200, 300, tu vois. Chaque mois, tu investis. Bon, ça, c'est très prisé, là, investir en immobilier grâce à la blockchain. Donc les trucs, ça part très vite. Donc il faut être alerte, les gars. Mais
Et c'est quand il y a des biens, tu vois, c'est quand les gars ils achètent des biens, ils les rénovent, etc. et ils les mettent en location que tu peux accéder. Donc c'est pas comme c'est pas disponible comme ça direct, tu vois. Ça dépend de si jamais ils en ont, tu vois, en stock. Mais voilà, tu vois, ça peut être une possibilité de pouvoir investir déjà petit, tu vois, petit. Et après, tu peux aussi faire pareil dans la blockchain. Je te parle de ce que je connais, tu vois. Après, il y a aussi la bourse, tu vois, mais la bourse, j'y connais rien, donc je vais pas t'en parler. Mais si jamais tu veux investir en bourse, c'est pareil, c'est le même principe, tu vois. Tu peux commencer avec des petits investissements, 100 euros par mois, 200 euros par mois, et commencer à toucher tes premiers dividendes, tu vois. C'est la même chose, tu vois. Crypto-monnaie que je connais un peu plus, parce que là je me suis plus formé, tu peux investir dans les stablecoins et pouvoir peut-être avoir des rentabilités de minimum 8%, 10%, qui vont même jusqu'à 20%. Tu vois, des stablecoins, c'est des tokens, donc des cryptos qui sont indexés sur le dollar, par exemple. Tu vois, donc c'est des choses qui bougent pas. C'est pas comme le Bitcoin, tu vois, ou l'Ethereum qui va monter, qui va descendre, ou comme d'autres cryptos exotiques qui peuvent monter, qui peuvent aller à la cave aussi. Non, c'est des stablecoins, ça reste stable, ça bouge pas. Voilà, des petites variations comme ça, mais c'est stable parce que ça suit le dollar, tu vois. Donc du coup, tu peux investir comme ça. Donc au début, tu vas dire, ah, vas-y, j'ai mis que 20 euros, c'est rien. Tu as l'impression que tu vas jamais y arriver. Enfin, ça va prendre trop de temps. Mais de toute façon, les choses prennent du temps. Il faut bien commencer. Donc entre dire ça va prendre trop de temps, ne rien faire et courir après genre le million cette année, alors que si tu veux être indépendant financièrement, il faut commencer. Donc, commence, t'as de l'argent qui rentre déjà. Bah, commence, investis ce que tu peux perdre. Après, il faut croire en la blockchain si jamais tu veux investir dans des cryptos, tu vois, parce que ça reste quand même dans la blockchain que tu investis. Si tu ne crois pas en la blockchain, bon, ça, c'est encore autre chose. Bon, ça me paraît fou quand même que tu crois toujours pas à la blockchain vu comment les choses se démocratisent par rapport à ça, même les États. Et je crois même qu'il y a un pays qui a validé la monnaie. J'ai oublié c'est quel pays. Mais bon, en tout cas, enfin, je veux dire, la Suisse, elle fait des NFT avec ses timbres. Enfin, à un moment donné, les gars, si vous pensez toujours pas, si tu crois toujours pas à la blockchain, bah, tu vas rater le train, ça c'est sûr et certain. Après, tu fais ce que tu veux et investis dans ce que tu comprends, tu vois. Renseigne-toi, forme-toi et pour comprendre un peu plus cette technologie et voir si jamais tu as envie d'investir via cette technologie, tu vois. Mais sinon, après, il y a la bourse et c'est le même principe, tu vois. Donc, l'erreur que tout le monde fait, pour pouvoir être libre financièrement, c'est de ne pas commencer en fait dès maintenant. Tu peux faire dès maintenant en fait, ta liberté financière, tu peux la travailler dès maintenant. Et aux États-Unis, les gars, ils sont obligés de faire ça aux États-Unis. Tu vois, ils sont obligés de placer, alors ils le font avec des sociétés et tout, mais ils sont obligés de placer pour pouvoir anticiper leur retraite. C'est eux qui font la retraite, tu vois. Et ils sont obligés d'investir. Les gars, c'est pareil, hein. Tu peux commencer avec 100 euros, mets un virement automatique, 100 euros par mois, boum, et t'es investi, tu vois. Qu'est-ce qui t'empêche? Mettre un 50 euros par mois ou un 100 euros par mois sous du Bitcoin, tu sais très bien que ça va monter. Ou sous de l'Ethereum. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le truc pour devenir indépendant financièrement. Ça, c'est plus investissement, spéculation un petit peu, tu vois. Mais genre, investis en bourse, un petit 100 euros par mois, boum, ou sous des stablecoins, un truc stable, ou sous de l'immobilier, via la blockchain, tu vois. Enfin, des trucs, tu peux déjà commencer à investir. Ça, c'est ça qu'il faut retenir. C'est aujourd'hui, si jamais tu veux être libre financièrement, commence à investir dès aujourd'hui, boum, 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 boum. Tu vois, dès aujourd'hui. Et après, ça va se cumuler, les années vont passer, tu vas voir que tu as 1000, 2000, 3000 euros par mois et tu n'auras même pas forcé, tu vois. Au lieu de te dire, ouais, il faut que je fasse le million. Alors évidemment, il faut que tu cours, quoi, si jamais c'est ton objectif en tout cas. Évidemment, il faut que tu fasses tout pour pouvoir atteindre ton million, tu vois. Et plus tu vas, mais si jamais tu l'atteins dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, au moins tu as déjà commencé à travailler. Ta liberté financière, elle a déjà commencé à augmenter, tu vois. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas te rendre compte que sur le chemin où tu cours après le million, bah, tes revenus ils vont augmenter. Et donc, du coup, tu vas pouvoir augmenter tes investissements. Et donc, du coup, ça va accélérer le processus, tu vois. Au lieu d'attendre, genre, ouais, quand j'ai le million, boum, ça y est, là, je vais tout investir. Non, commence petit à petit, ça, c'est une erreur que les gars ils font. Et au moins, tu as déjà ton indépendance financière, tu as déjà quelque chose. Tu es peut-être indépendant financièrement à 500, 1000. À 1000 déjà, tu peux bouger en Thaïlande ou dans l'Amérique du Sud et tu vis. Après, tu vivras pas comme un Européen, mais tu vivras bien quand même. Non, tu vis bien quand même. À 1000, en Colombie, tu peux déjà vivre correctement quand même. Et Thaïlande encore mieux, je pense. Tu vois. Et après, l'Europe de l'Est, pareil. Donc, tout ça pour te dire que, gars, juste commence.
Voilà, ne fais pas cette erreur-là que la plupart des gens font. Ok, donc voilà, n'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo. Tu vois, j'essaie de te partager un maximum de choses pour pas que tu fasses des erreurs, pour te faire gagner du temps en fait. Okay, c'est plus intelligent d'apprendre des erreurs des autres que d'apprendre de ses propres erreurs. Donc, c'est un peu l'idée de ces vidéos. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing où je te montre exactement comment faire 5K par mois au minimum. Ok, c'est au minimum 5K par mois grâce aux stratégies de YouTube Money Machine et de Pirate Marketing, okay, qui sont combinées. Okay, donc, c'est Pirate Marketing la formation du coup, mais il y a aussi YouTube Money Machine qui est intégré dedans pour en faire un système de Gogeta, tu vois. Okay, et tu peux y accéder à cette formation sans sortir un seul euro de ta poche parce qu'elle est 100% financée par le CPF. Okay, donc, le CPF, si jamais tu sais pas c'est quoi, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement qui te permet de pouvoir cotiser dans un compte CPF, c'est comme ça qu'ils appellent ça, okay, chaque année. Et donc, il y a de l'argent que tu cotises en fait. Okay. Et du coup, avec cet argent-là, ce compte CPF, tu peux investir dans des formations. Okay. Tu ne peux rien faire d'autre. Tu ne peux pas acheter de voiture avec. Tu ne peux rien faire. Okay. Tu peux juste, même des baguettes. Non, baguettes, non, tu ne peux pas. Tu peux juste acheter, investir dans des formations qui sont éligibles au CPF. Donc, ça tombe bien, Pirate Marketing est éligible au CPF. Okay. Donc, Pirate Marketing, c'est ma plus grosse formation. Il y a un expert en copywriting. Enfin, il y a un copywriter. Il y a mon responsable d'agence qui intervient dedans. Il y a un expert en SEO. Il y a moi évidemment, enfin, c'est une formation complète qui va vraiment te permettre de générer du cash en ligne, ok, et grâce à YouTube Money Machine, ok, aussi. Donc du coup, pourquoi je sais que tu vas pouvoir faire les 5K au minimum, parce qu'en fait je te montre comment avoir différentes sources de revenus. Tu vas faire une seule action, tu auras un seul focus et tu pourras avoir différentes opportunités, différentes sources de revenus. C'est pour ça que je kiffe. En fait, je t'apprends ce qui pour moi est l'un des business models les plus puissants et qui, je sais que dans 5 ans, tu n'auras pas fait faillite. C'est sûr et certain. Donc, tout ce que tu as à faire, si jamais tu ne sais pas c'est quoi le CPF, etc., tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Tu verras, il y a écrit « Accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche ». Tu mets ton email, tu vas pouvoir accéder à l'agenda où tu vas prendre rendez-vous avec Céline. Elle va te dire si jamais tu as du CPF ou si tu n'en as pas. Et après, elle va faire le dossier pour toi et elle va te donner les accès à Pirate Marketing. Okay, donc, tu n'as rien à faire. Et tu verras que malgré ça, il y a des gars qui vont avoir des excuses, qui vont avoir des croyances, on ne sait pas pourquoi. Tu n'as rien à payer en fait. Okay, tu ne sors jamais ta carte bleue, jamais. Hein, tout le process là est gratuit. Hein, mais il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais bon, je ferai ça demain ou plus tard. » Enfin, on ne comprend pas. Ou arnaque, on ne sait pas. Tout est offert en fait. Et, on ne comprend pas en fait. Okay, donc, la seule solution que, voilà, ce que j'aime bien dire, c'est… Seul truc que tu as, c'est si jamais tu veux faire du trading, évidemment, bah non, bah c'est pas ce que je propose. Hein. Et si tu veux faire des commerces, bah évidemment, non plus, parce que c'est pas ce que je propose. Bien que les stratégies pourraient fonctionner, mais pars du principe que non. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Parce que les stratégies que je partage, en fait, tu peux tout faire derrière. Tu pourrais faire des commerces après, etc. Regarde les gars de Body Time, bah, ils ont des commerces. Okay, ils font des t-shirts. Et, enfin, en fait, après, derrière, tu fais ce que tu veux. En fait. Bref, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp.